Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Bac ES, session Métropole, septembre 2017, exercice 2. Les trois parties de cet exercice sont indépendantes. En janvier 2015, le directeur d'un musée d'art contemporain commande une enquête concernant les habitudes des visiteurs. Partie C. Sur l'ensemble des musées d'art contemporain, 22% des visiteurs sont de nationalité étrangère. Sur un échantillon aléatoire de 2000 visiteurs du musée considéré précédemment, 490 sont de nationalité étrangère. Que peut en conclure le directeur de ce musée? Argumenter. Donc ici, partie C, donc l'exercice 2. Donc on va devoir faire un intervalle de fluctuation au seuil de 95%, sachant que N est égal à 2000 et bien entendu, P est égal à 0,22. Donc on va tester si on a 22%, donc l'estimation de 22% des visiteurs de nationalité étrangère est valable pour notre musée, donc notre musée d'art contemporain. Donc N fois P, donc ça va faire 2000 fois 0,22. Et donc ça va nous faire 2000 fois 0,22, 440. 440, eh bien ça va être supérieur à 5. 2000 est bien supérieur à 30. N1 moins P, 2000 fois 0,88, ce qui va faire 2000 fois 0,88, 1760, supérieur ou égal à 5. Donc on peut, ici on est dans les conditions de validité, donc des intervalles de fluctuation. Donc I, ça va être égal à, donc 0,22 moins 1,96, racine carrée de P1 moins P sur N. P1 moins P c'est 0,22 fois 0,88 sur 2000. Pareil, 0,22 plus 1,96, racine carrée de 0,22 fois 0,88 sur 2000. Alors, on va obtenir ici 0,22 plus, donc moins 1,96, racine carrée de 0,22 fois 0,88 divisé par 2000. On va trouver 0,20. 0,20 0,7 et 0, donc ici ça, plus 0,2392 0,2393. Alors maintenant la fréquence testée. La fréquence testée, eh bien, c'est 490 divisé par 2000. Donc 490 divisé par 2000, qui fait 0,245. Or, donc F n'appartient pas